Voilà, tout est prêt, on va pouvoir démarrer. Merci Kiniko pour le message, je l'avais vu sur, il l'avait mis sur Discord Data, mais merci de me confirmer. S'il veut me raid, il peut aussi, y a pas de souci. Allez, on démarre le stream Kabukindi, ça faisait longtemps. Peut-être pas tant que ça. On envoie la cam, on envoie tout, avant qu'on me dise ah oh, ça marche pas, on te voit pas. Allez. Ohayo les amis, ohayo et bienvenue sur le Kabukindi. On est mercredi 21 février 2024, il est 7h33 et on va tester un jeu de Brain Seal Limited. Merci Brain Seal, arigato gozaimasu, thank you de nous avoir envoyé la clé sur Switch donc pour tester Geometry Survivor. On va baisser le son du jeu, c'est trop fort. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous m'avez entendu au moins? Vous m'avez entendu parler. Est-ce que vous êtes toujours là, les amis? Donc, Geometry Survivor, c'est un shoot rogue. Voilà. Pas beaucoup. D'accord, on recommence. Ohayo, les amis. Ohayo, comment allez-vous? Nous sommes mercredi 21 février 2024. Il est 7h34, du coup. Et on démarre le Kabukindi sur une découverte d'un jeu de Brain Seal. Merci, Brain Seal, d'avoir envoyé la clé. Brain Seal Limited qui sort donc Geometry Survivor aujourd'hui sur Switch, mais pas que, il est aussi trouvable sur Steam et autres supports. Donc c'est un shoot en mode roguelite. Voilà, donc ça risque d'être un petit peu chaud, un petit peu chaud de bon matin. Vous allez voir, en plus c'est vectoriel, c'est néon, tout ça, enfin c'est une dinguerie. Je vais le découvrir avec vous évidemment. Donc on va se lancer et puis on va essayer de survivre apparemment, hein. Survivre, boutique, statistique. On va regarder un peu ce qu'il y a dans les menus. Alors la langue en français, ça c'est cool. Même si on est sur un shoot, etc. C'est toujours plus agréable. Musique, ok, effet, deux, alors zoom, proche, normal, distant. On va faire proche, on va rien toucher pour l'instant. La manette, on va rien toucher. Vibration, bien sûr. Comment ça va Kiniku? Et donc je disais que j'ai bien eu le message de Data, merci à toi d'avoir fait le messager. Alors du coup, statistiques, on va regarder mais pour l'instant on n'a pas joué, voilà. Donc tout est à zéro. Moi, je vous dis qu'on découvre ensemble. Boutique, donc c'est pas une boutique online, hein. C'est vraiment pour acheter des évols apparemment. On peut tous faire rembourser et recommencer si on s'est trompé dans la répartition des points. Alors ça va être entre 8h et 10h, je reçois le nouvel ampli. Ah ah, Kiniku. Et t'envoies l'étoffe sur Discord. Hein. Y a pas de mystère là. Hein. On a une section photo en plus sur le Discord. Re, tu as freeze mon player de live. Aïe 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 aïe. Ça a du mauvais matos et ça dit que c'est de ma faute. Ton player de live, ah. C'est quoi, une nouvelle appli ou c'est vraiment... c'est quoi, sur téléphone, sur PC? Imagine t'es sur téléphone au boulot. Comment il va le père Rayli? Sur Twitch, ah oui, le player de Twitch. Pour moi ça a l'air d'aller la technique. On est bon, on va se lancer. On va pas chipoter. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas. N'aie pas peur, ça ne fait pas mal. Abonne-toi et mets un pouce à la vidéo, s'il te plaît. Si ne te plaît pas, tu le fais pas. Voilà. Allez, go. Alors, vaisseau. Bah, pour l'instant, on a que ça. Vaisseau standard à 6 faces. Je rappelle qu'on est dans un jeu géométrique. Et Rayli te dit, si tu es sur YouTube, viens sur Twitch, on est bien. Alors c'est toujours dans le même délire des vampires survivors et tout ça, j'ai l'impression. Donc je peux jouer d'une main. Voilà, c'est magnifique. Ah bah voilà, c'est sympa ça. En vectoriel, pour ceux qui préfèrent le vectoriel, plutôt que Castlevania par exemple. Il y en a pour tous les goûts, hein, des jeux comme ça. Alors n'oubliez pas que ce week-end, c'est l'anniversaire de la chaîne. 3 ans versus... L'anniversaire de la chaîne, il n'y aura pas de contre-soirée, on va faire les trucs ensemble. L'anniversaire de la chaîne de Data Reaper. Le gars a 13 ans de bouteille, les gars. Donc c'est 3 ans versus 13 ans. Ça va être double anniversaire, ça va être dinguerie. Donc réservez votre week-end, appelez la famille, vous n'êtes pas dispo. Si vous travaillez le week-end, ben, prenez un congé. Hein.
Alors, Boomerang lance un boomerang sur la cible la plus proche et il revient ensuite vers vous, c'est pas mal. Attire à vous tous les butins. Ou alors, crée un champ qui attire tous les ennemis et les détruit. Mm-hmm. Plus l'anniversaire IRL de... Alors là, c'est pas la naissance d'une chaîne, c'est la naissance d'un streamer. Un streamer en herbe. Rayleigh. C'est ça, hein. C'est un anniversaire. Triple anniversaire. C'est-à-dire que quand il va venir sur le chat, il sera en train de fêter, les gars, il sera sûrement bourré ou un truc comme ça. Il faudra être indulgent. Demain, mais il va fêter ce week-end, hein. Ah, Rayleigh, il va fêter ce week-end. Donc demain, il y a un truc sur ta chaîne, d'ailleurs. Pour ton anniv. Ouais, ouais, Rayleigh Live, pardon, Kiniku, n'hésite pas, effectivement, mais je vois ce que tu veux dire, donc je ne dirai rien. Oi, 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 la Tsunemiku, il marche même pas. Que se passe-t-il? Vous l'entendez au moins? On voit même pas la Tsunemiku. Pourtant, le Trigger Fire est bien là, normalement. Comment il va, Augustin? Bah écoute, ça a bugué, apparemment. Nintendo Partner à 15h. Eh oui, ça rime. Allez, on prend le boomerang, on est des fous. Ah, ça va faire mal. Ah là, ça va faire mal. Voilà, voilà, donc Geometry Survivor, après Vampire Survivor, après tout Survivor. La baisse, Rouya, Augusta. La baisse aussi. Ah d'accord, le but c'est de survivre 20 minutes, hein, de ce que j'ai vu. Là on a fait 1 minute 08. Vous allez voir des records incroyables sur cette chaîne, puisqu'en fait on est sûrement les premiers à le streamer. Il sort aujourd'hui le jeu. Et on repart survivre. Pour l'instant on n'a rien gagné. Ou presque. Est-ce qu'on garde le boomerang? Non, pas vraiment. Hein. Bon, en même temps, je vous lis en train, pendant que je joue, c'est pas la meilleure des choses à faire. Pour le jeu, mais pour le stream, oui. Donc tout va bien, Augustin. Et tu pars pour Paname bientôt là. Et quand le concert, jeudi? Non, toi c'est vendredi, t'étais dans les premières places, je crois. Hein. Et jeudi, c'est demain. L'équipe NIR est sur Paname. Ah. Je crois qu'il y aura Yoko Taro en invité surprise. Taro Yoko en japonais. Ce serait énorme, hein. Ouais, j'ai vu ton lien, pardon, je t'ai pas répondu. En fait, en ce moment, le boulot, là, c'est hyper tendu. Et je suis allé voir, mais j'ai rien vu, en fait. J'ai vu Gotoz, je crois, qui voulait changer une place avec jeudi, mais moi, j'ai ni place pour jeudi, ni place pour vendredi. Projectile spirale. J'ai pas vu spécialement de trucs en vente pour vendredi. Je t'avoue, j'ai pas pu bien regarder, malheureusement. Je sais même pas comment je vais préparer l'anniversaire parce que le soir je suis fracassé. Et voilà. Donc la semaine c'est compliqué. Peut-être samedi. Et samedi j'ai pas mal de trucs à faire du coup. Donc voilà. Alors boomerang tourelle. Wouah, carrément. Mais oui, j'ai vu ton lien, Augustin, même si j'ai pas forcément répondu, merci. Je le fais ici. Oh, c'est tout mignon comme jeu, hein, si on aime le vectoriel. Si on aime... bon, c'est le néo-vectoriel, j'ai envie de dire. Si on aime le néon et tout ça, la tech, c'est nickel. Blaster de proximité. Ah, il les a revendus finalement. Moi, j'avais vu un message de Gotos qui voulait faire un échange. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas le Mektoub. Et puis, ça aurait été un... Je sais pas si, comment je l'aurais apprécié là, parce que je te dis... boulot relou cette semaine. Très, très relou. Partir après le boulot sur Paname et tout, non, ça m'aurait... Enfin, j'aurais kiffé quand même, hein, mais...
Donc c'est pas grave, next time ou si ça n'arrive jamais, bah, DVD, Blu-ray, je sais pas. Il y aura sûrement une vidéo qui va tourner. Hein. Et oui, il y a l'événement spécial avec Data, ouais. Enfin, c'est le double anniversaire, hein, tout simplement. Je sais pas si vous voyez l'annonce. J'ai mis une annonce tout à l'heure avant le stream, mais... Attire tous les butins à vous, largue une bombe qui explose peu après. Oulala, c'était en Dax. Bon, sinon, comment ça va, vous tous? Bientôt le week-end, les amis. Nintendo Direct à 15h, comme disait Augustin, ça c'est cool. Ne me spoilez pas parce que je reverrai la, je verrai la rediff. Je verrai un peu plus tard. Le Pokémon Direct aussi bientôt. Dans une semaine. Le partenaire, bah, j'espère que Square va mettre la max. C'est pas mal. Voilà, ce serait déjà bien. On a tenu quand même 4 minutes. Je sais pas ce qui se passe quand on tient 20 minutes. Je sais pas si j'y arriverai un jour d'ailleurs. Je pense que ça va être de plus en plus chaud. Alors moi, ma technique dans ces jeux-là, c'est de faire des ronds, hein, des cercles. Sniper. Et ça risque de me perdre un jour, me coincer dans un coin, un truc comme ça. Faudra me dire à la fin de ma run si le son est trop fort ou pas. Du jeu. Et vendredi, on va faire un jeu. Alors ouais, je vous annonce, hein, j'ai à peu près 11 ou 12 clés là à vous montrer avant le 1er mars. Entre le PC et la Switch, c'est une dinguerie. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même un vieux jeu NES qui a droit à sa suite. Qui s'appelle Eberike. Mais qui sort sous un autre nom. Hein. Légèrement fort. Bah ça tombe bien parce que... Merci Rélie. Ça tombe bien parce que là j'ai le choix d'un bonus. Est-ce qu'on améliore tourelle, blaster ou aimant? Aimant. Ouais, ça peut être pas mal. C'est mieux là, Rélie. J'ai vraiment baissé là. Toi aussi, tu es une grosse femme horrible, incompétente et trop payée qui t'a cassé les noix? Ah, c'est ce qui t'arrive au boulot? Non, non, moi c'est un autre truc, mais bon. Et pas, c'est temporaire, donc ça va, il faut supporter et puis ça va passer. Alors, aimant. On entend light. Bah c'est bon, hein. Ou c'est trop bas maintenant le... Allez, on est reparti. J'en ai deux, des jeux comme ça à vous montrer dans, justement dans la douzaine de clés que j'ai pour vous là. C'est très tendance. En ce moment les jeux de ce type là. Et ce qui est bien c'est que ça peut s'adapter à n'importe quel décor, style, ambiance, DA. Donc je pense qu'on va en bouffer pendant un moment. Le meilleur que j'ai vu dans le genre, et d'ailleurs il est sur le Game Pass, c'est Brotato. On l'avait fait sur Switch. C'est le plus sympa en ce moment que j'ai vu. Ah oui, c'est pas mal l'aimant. Par contre, j'ai pas vu le niveau de difficulté dans le jeu. Ce que j'ai vu, c'est qu'il faut tenir 20 minutes, mais après... Ah bah voilà. Je me suis porté la Shkoumoun. T'as pas Balastro? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors, je peux pas dire tous les titres, malheureusement, parce qu'il y a des embargos. Mais il y a du lourd, hein.
J'en ai encore reçu un cette nuit là. Celui-là, je peux en parler parce qu'il sort aujourd'hui. Je sais pas quand je vais le placer dans le planning. C'est un simulateur de conducteur de métro. Ah. On s'en est fait quelques-uns des simulateurs sur le Kabuki Indy qui étaient plutôt bizarres, mais qui attirent énormément de monde sur YouTube. C'est une dinguerie. Les gens aiment les jeux de simulation et ils veulent voir comment ça se passe sur Switch, quoi. Complètement ouf. Vous attendez quoi sur le Nintendo Direct aujourd'hui? Alors, on est entre connaisseurs, donc j'espère que personne dira Zelda, Mario, etc. Puisqu'on est sur un Nintendo Direct partenaire. Alors, c'est sûr que c'est des demandes qu'on va entendre dans la masse et que les gens vont encore râler parce qu'il n'y avait pas du Zelda. Bon. Quand on est sur Nintendo Partner, ce sont les tiers qui annoncent leur jeu. Vous le savez. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a un tiers là qui vous fait de l'œil? J'entends parler dans les couloirs de Level 5, Level 5. Peut-être une date pour Letton, peut-être du Inazuma. Je sais qu'il y a une grosse attente côté Square. Les gens aimeraient, moi aussi, ça serait un honneur, je pense, pour la Switch, d'être les premiers à annoncer une date pour le Dragon Quest HD 2D. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, tu veux que je remonte un petit poil le son? Ça, il était accro à la musique, du coup. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Donc, Square, Level 5... On attend toujours le Decapolis, on n'a pas de date pour Decapolis. J'aimerais bien une petite surprise ou deux RPG, mais pas un remake. Voilà, voilà. L'idéal, ça serait qu'ils annoncent Vision of Mana sur Switch, mais bon, ça faut pas trop rêver, je pense. Donc Augustin, il attend de bonnes surprises, ok. Hollow Knight 2, bah c'est le running gag, hein. Mais c'est possible que Silksong pop enfin, parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils avaient repointé le bout de leur nez. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit pour ce direct-là. Après, les gars qui avaient leak ce Nintendo Direct Partner disaient que, notamment Pyro, il disait que c'était pas fifou. Hein. Donc attention. Ne soyez pas trop déçus quand même. Mais il n'a pas donné de titre. Il y a eu une référence à... Il a quand même donné un indice avec des dauphins. Un jeu GameCube, tout ça, qui reviendrait. Alors, est-ce que ça serait la GameCube dans le NSO? Ou est-ce que ça serait juste ce jeu en remake? Je sais pas. Après, je vous dis pas tout ce que j'ai lu pour éviter de gâcher au cas où. Même si on n'est pas sûr de ce qu'on a vu. Hein. Ah, on repart de zéro, hein, c'est ça qui est malheureux. Ah non, 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 il fallait que j'aille acheter des trucs. Attendez, attendez. Je pense que c'est ça quand même le principe, que ce soit un roguelike. Voilà. Là, on a 146 boules. Donc on va acheter quoi? Débuter une manche avec un PV, plus un PV par rang. Ça, c'est 100 boules, hein. Étant la durée de votre invulnérabilité en cas de dégâts subis. Tu as déjà eu des sponsors avec Stumbling Cat? Non, ça me dit rien. Comme studio. Augmente la vitesse de déplacement de base du vaisseau 2% par an. Est-ce qu'on veut se déplacer plus vite? Réduit les conditions d'évolution. Est-ce qu'on se met pas un petit peu de life d'entrée? Bon là c'est trop cher, sinon on économise. Augmente la difficulté en boostant la vitesse de base. Ah voilà, donc même la difficulté, ça s'achète quoi. C'est pas mal comme concept. Une fois que t'as tout poncé là. Étend le rayon d'explosion de base de 9% par an pour les mines. Étend la durée. Ouais, je sais pas. Mm-mm-mm-mm. 1000 balles, c'est trop cher de toute façon. Allez, on va faire un PV. Ah oui, on peut choisir. Ah non, mais c'est 300 boules, ça. Ah ouais, ben on va prendre ça. Et il nous reste 96 boules, on va prendre ça. Et voilà, on n'a plus de thunes. Si tu
y en a, ils sont top, ils passent sur les lives et demandent un petit retour sur leur jeu. Ah, ouais, j'ai déjà eu pas mal de fois des devs, des choses comme ça qui sont passées. Souvent des Français. Mais tu vas voir, Elie, c'est les petits plaisirs justement de faire de la sponso avec des indés, c'est que ça reste très familial, quoi. Je te conseille, si tu peux, moi, c'est bon, ok, tu passes par Kemailer et tout, c'est cool. Mais si tu arrives après à choper directement les relations presse des studios, après, bah, tu verras que bah, quand tu vois qu'un jeu sort chez eux, etc., tu les top. Et puis, si tu as fait du bon taf la fois d'avant, ils n'hésitent pas à te refaire confiance. Et parfois même, c'est des jeux que tu trouveras pas sur Kemailer, du coup. Il faut pas avoir peur d'oser. Osons oser. Et c'est pas Gunther qui dira le contraire. Allez, on balance la sauce. On est là pour jouer. Du coup, on recommence de zéro, mais il y a quand même la couche roguelite où on peut acheter des trucs avec les crédits qu'on a gagnés. Donc c'est ça qui va être sympa dans le jeu, en fait. Hein. Bon, en tout cas, je suis content pour toi parce que Rayleigh, parce que la chaîne n'est pas très vieille, t'es déjà rentré dans le système avec les éditeurs et tout ça, et tu vas voir, c'est vraiment cool. Hein. Tu verras aussi que parfois, bah, tu vas toucher des jeux qui sont pas... Les gars, ils ont mis tout leur cœur et tout, mais bon, le jeu n'est pas terrible. Hein. Bah, ça arrive. Hein. Pas plaire à tout le monde. Waouh, c'est bon ça. Ah, ça dure pas longtemps par contre. J'ai bien fait de faire ma petite boucle là. Donc les crédits, c'est le truc jaune, c'est ça? Je sais pas. Ou les trucs bleus. Encore bien saisi ce que je ramasse. Ah, j'aurais dû prendre Orbiter, on l'a jamais pris. Mais le boomerang, c'est sympa aussi. Donc tout est en auto. Hein. J'appuie sur A que pour valider des trucs. Quand il y a les menus là. Pour ceux qui connaissent pas le genre, je me déplace seulement et ça tire tout seul. Voilà, et petit à petit, ben, on devient de plus en plus balèze. Et le but, c'est de survivre 20 minutes. Il y a le chrono là-haut. Et mon record, je crois que ça a été 5 minutes. Non, on verra si on a les stats justement. 5 minutes, c'est long hein, dans ce monde de fou là. On est agressé de toutes parts. Bon, le petit laser là, c'est sympa. Ça peut sortir de situation. Le truc, c'est qu'il se déclenche, je sais pas trop quand. Hein. Traîner, exploser. Putain, je voulais choper la bombe là. Voilà, tiens. Je pense que j'ai failli crever. Oulala, l'étau se resserre, les amis. Alors, champ de force, crée un champ qui ralentit les ennemis qui le traversent. Alors, tir des projectiles, ça c'est la tourelle, on l'avait pris tout à l'heure. Et sniper. Alors, on va essayer champ de force, on connaît pas. On est parti. Ah, c'est classe en plus. La musique est cool aussi. Hein. Moi j'aime bien électro, donc ça passe crème. J'aime bien quand il y a des petites montées comme ça là. Je me suis pas mis dans la merde. Hein. Ah, c'est bon. Ah oui, voilà, ça fait plaisir. Allez, on les fait un peu tourner dans tous les sens. C'est assez lisible sur l'écran aussi, ça je voulais... Oh, j'ai tenté de passer entre deux, je voulais le signaler quand même.
Ah, t'as eu Fee Farm Steam en édition de luxe. Ben, j'ai cru voir ça sur ton Discord. Hein. Donc c'est cool. Du coup, tu vas... Tu l'avais sur PC ou pas? Il va falloir que tu recommences de zéro. En plus, ils ont fait la mise à jour et tout. C'est bon, ça. Plusieurs mises à jour, même. Alors, durée de la survie, 3 minutes 11. Si on va dans les stats, ça dit quoi? Alors, arme favorite, le boomerang. Arme la moins utilisée, projectile. Ah, 9 minutes, quand même, j'ai tenu. Ah non, c'est durée totale. Il cumule pas toutes mes survies, quand même. J'ai tenu 9 minutes tout à l'heure. On passait sur l'écran des Amelio, 4 minutes 30. Ah, c'est marrant, ça. Non, moyenne de la survie, 3,15. Voilà. Moi, j'ai une grosse marge de progression devant moi. Goût, tu recommences si ça t'arrange. Bah, c'est génial, ça. C'est sur Kemailer aussi que t'as eu le Fee Farm? Eh bah, Royal. Bah, peut-être que je vais le tenter aussi, comme ça, je l'aurai sur PC. Ça peut être sympa. Mais bon, là, j'ai tellement de jeux à faire déjà. Persona, là, j'en suis à 96 heures, je l'ai pas fini. J'en suis même pas au mois de novembre. C'est une dinguerie. Il y a Tales of Arise qui est arrivé sur le Game Pass. Je crois que c'est 6 ou 8 mars. Là, je vais retomber dans la maladie avec Unicorn Overlord. Ça va être bien aussi, ça. Un petit jeu VanillaWare. Un petit gros jeu d'ailleurs, je pense. Hein. Ah, j'ai bien aimé le gros rayon là. Je pense que je vais le prendre souvent. Ça va devenir mon arme favorite, je pense, pour l'instant. Avec le boomerang, bien sûr. Ouais, après il y a Princess Peach fin mars, je crois. Peach Peach Showtime. Enfin bon, ça va être. Ah, c'est ouf, cette semaine c'est que de la Switch hein, là, sur la chaîne pour info. C'est tombé comme ça, hein. je me suis basé sur les dates d'embargo. Et puis on verra ce week-end, et puis la semaine pro quoi. On verra aussi ce que nous annonce le Nintendo Direct Partner, parce qu'on n'est pas à l'abri de pécho des démos. Ou des sorties instantes. Il y a aussi le 22, donc c'est demain, il y a le DLC de Splatoon 3. Il faudra aussi qu'on regarde à quoi ça ressemble, et je sais pas quand on va faire ça, parce que vendredi on est déjà full sur le planning. Après il y a l'anniversaire le week-end. On verra peut-être que le samedi après-midi, on fera quelques découvertes, et puis le dimanche la NIV. Faut jouer aussi avec Data, comment on s'arrange. Il faut que j'ai le temps de préparer tout ça aussi. Alors, je vais essayer de te lire, Ellie, mais je t'avoue que le gros pavé pendant que je fais ce jeu-là, ça va être chaud. Je peux faire pause. Ouais, ça c'est cool. Alors, je l'ai pris comme ça. Ça va me permettre de montrer que j'ai rempli les conditions et avoir la possibilité d'avoir plus de jeux et certainement des Day One. Ah oui. Ouais, tu l'as pris pour faire tremplin, quoi. En plus, tu le connais bien, le jeu, tu l'aimes. Donc, ça va pas être difficile de faire le stream sponsor, donc c'est cool. Hein. Et au niveau de la chaîne, est-ce que ça fait un petit grow up? Est-ce que tu as régulièrement des followers? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des nouveaux habitués? J'avoue que je suis pas mal en lurk. Dès que je vois que tu streams et que je peux, je me connecte. Si je fais autre chose, des fois, je parle pas forcément. Et puis, quand je joue, je mets quand même le son. Ah, ils ont essayé de me gangbang dans le coin, là. J'aime les mines. Ouah, je suis passé entre les gouttes là.
Là, je vais un peu plus vite, j'ai l'impression, et ça fait bizarre. Orbiteur. Allez, les petits satellites. Bon, ça. Oh, je me prends une mauvaise balle. Pas forcément nouveau follow, mais plus de viewers en moyenne. Ah oui, bah quand t'as des événements comme ça, c'est qui tout double. Hein. Game over. Alors, visée auto, gros rayon, boomerang, ok. Durée de la survie 3,29, hein, c'est ma moyenne. On a gagné 59 crédits. Plus la run d'avant, on a combien là? 143 balles. On va prendre ça. Et 43 balles, on va rien prendre. Les stats. 4 manches, 0 victoire. Gunderstrager. Waouh, le gars, il fait une métanoïa sur un stream sponsor. C'est la dinguerie. Alors là, tu me fumes. Tu me fumes, Gunther, qui fait un métanoïa stream. Merci pour tous ces points de chaîne. C'est assez énorme. T'as eu une réduc ou j'avais fait... Ah non, j'avais baissé un petit peu le prix. J'espère que ça va bien, Gunther. C'est assez fou ce qui nous arrive, là. C'était pas prévu du tout. 8h04, t'as bien placé ton truc parce que... Parce que on a le temps de faire la métanoïa. Merci. Merci, Brain Seal. Merci Kemeler pour Geometry Survivor, c'est vraiment cool pour la clé. Alors ensuite on va s'enchaîner une nouvelle run. Juste le temps de faire un petit réglage. Vous n'êtes peut-être pas prêt, je ne sais pas. Peut-être moi non plus. Comment ça va Gunther? J'espère que tu vas bien, t'as pas trop dormi, t'as toujours mal au dos ou alors comment ça se passe? Thank you.
Hey, c'est parti pour du Sega, les amis, Sega Forever, vous le voyez en haut. Le Sonic, il y a longtemps qu'on n'y avait pas joué. Je pense que j'ai un petit problème de scène, on va regarder comment ça se passe. Pour le dernier follower. Parce qu'il date celui-là, hein. C'est un vieux dernier follower. Ma scène n'était pas prête, hein. Ça a été une vraie galère. Comment vous allez ? Ouais, du coup, je sais pas. Je sais pas comment on fait pour remettre ça d'aplomb. Parcourir, peut-être. Ouais. Non, mais c'est peut-être le dernier follow. Allez savoir. Va savoir, Augustin. Une métanoïa, je pense que ça marche pas. J'ai jamais vu ça. Et c'est surtout le dernier sub, c'est Rayleigh qui est en noir, là, ça va pas le faire. Voilà, on va le mettre... Comment on va le mettre, Rayleigh ? En blanc, ça peut être pas mal. Tac. Hop. Voilà. Oh, blanc, c'est pas terrible, non. On va le mettre en bleu Sega. C'est pas mal, bleu Sega, j'aime bien, moi. C'est la couleur, quoi. Ça passe tellement bien avec le fond Mega Drive. Allez, on va se régaler, les amis. On est sur Nintendo Switch, malheureusement, mais bon. On est sur du Sonic. Comme ça, Data pourra dire que je suis nul à Sonic. Avec ce beau quadrillage, cette belle cam. Ah oui, il faut remettre la cam d'aplomb. Un petit peu chamboulé là, suite à la métanoïa. Voilà. Ah, avec l'ancien logo et tout, c'est magnifique. On est vraiment dans un style à rétro. La cam n'est pas adaptée. Voilà, on va rester comme ça pour pas perdre trop de temps. Hein. On en était là, les amis. Je m'en rappelle. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Quel RP, je comprends pas, Augustin. J'ai oublié de changer le titre du stream. Je suis en stream, c'est ça? Il y a 3 spectateurs sur le jeu, on va remonter tout ça, hein, parce que voilà, il faut que... Je trouve que ça se perd en ce moment, le fanservice Sega. C'est vrai qu'ils font plus que des jeux et c'est pas évident de rameuter du monde, donc on va remonter là. Ils sont 3 spectateurs sur tout le Twitch game. Moi je compte sur vous, appelez vos potes, etc. Bah, je crois que c'est nous les 3 en plus, hein, mais bon. C'est comme on peut. Alors on va où? Dans l'acte 1, j'imagine. Merci Rayleigh. On va aussi changer le titre du stream, carrément. Et puis on est bon. C'est parti. Ouais, je me suis régalé sur Géométrie. C'est vachement bien pour un vampire like. Et ça, c'était avant. Allez, c'est parti, commencez. Alors, on a un Nintendo Direct Partner à 15h. Mais j'espère que Sega va annoncer des nouveautés. Là, ils ont 4 jeux en préparation. 4 vieux jeux qui auront leur suite, là. Donc, bah voilà, au moins que ça remonte un peu le niveau. Ça serait pas mal, non ? Alors. Ouais, Crazy Taxi, Shinobi. Shinobi, putain, c'est la vie, Shinobi. Les ninjas, tout ça.
Cette vitesse, j'y vois flou, les gars, tellement c'est bon. Aïe, 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 l'enfoiré. Ouais, ouais, puis heureusement qu'il y a Atlus pour remonter un peu le niveau avec Persona 3. Atlus Sega, je rappelle. Hein. Il y a Unicorn Overlord qui arrive là, ça va être Masterclass. C'est même pas sur PC, les gars. Hein. C'est que sur console. Hein. Aller faire un truc là. Ah oui. Ok. Je m'en rappelle en plus. Ah voilà. Quel régal. Ah, cette vitesse, le truc qui t'arrive dans la gueule, tu l'avais même pas prévu. Putain, c'est égal, le jeu de foot, c'est le néant de nos jours en vrai. Bah oui. Non, mais les gars, ils sont dans le game depuis le début. Hein. Pas l'oublier. Hein. Pas parce qu'ils font plus de consoles. Ils ont l'expérience du gaming quand même. Hein. Et puis, ils s'évitent tous les frais de gérer du matos. Ils n'ont plus que des jeux à faire. Ils ont acheté un super studio, non, c'est, ils sont bien. Hein. Tu as perdu ton Kabuskill. Alors déjà ici c'est Maître Kabou. Déjà il n'y a pas de petites affinités. Hein. En hommage à Maître Sega, évidemment. Olé. Kabou, c'est plus fort que toi. Bien dit, Gunther. C'est bien une chose que Sega m'a appris, c'est l'humilité. Hop là, pour regarder ça un peu là. Ce parallaxe de l'enfer. Alors là, je les avais vus arriver, mais que puis-je faire? Et puis je fais à part m'entraîner hein, finalement. Ou sauter comme ça. On apprend nos erreurs. C'est ça qui est bon avec ce genre de jeu. Et Kiniku le Kabuki-sama. Kabuki Master. Segata Sanchiro, si tu nous regardes. Spécial dédicace. Non, je pense qu'il faut le regarder, Augustin, mais faut noter tous les points négatifs pour aller faire la max sur X après. Mais on reste critique, hein, pas de toxicité dans la commu, s'il vous plaît, les gars. Ah, il faut monter sur son truc de merde, là. En fait, il se douche tout seul, le gars. Vas-y, vise-moi, vise-moi. Ah ouais, ça c'est nul par contre. Ah c'est pas les boss des jeux Nintendo là. Hein. C'est pas le point qui clignote en rouge pour savoir où tu dois taper. Hein. Allez tiens. Ah il faut réfléchir les amis. Hein. Bah c'est le dernier en date en tout cas. Mais tous les Sonic sont bons, Gunther. Hein. À leur manière, à part le Sonic Force qui est un peu bizarre. Mais là, c'est un petit retour aux sources. Histoire de montrer aussi qu'il n'y a pas que Mario Wonder. Hein, il est sorti en même temps, je vous rappelle. Il est mignon. Et pas tant que ça, en fait. Il a été piégé. Il faut le sauver. Franchement, quand on voit des animaux comme ça et on se dit, putain, si c'est Sega qui avait fait les Pokémon, ça serait autre chose quand même. Hein.
pas ce que vous en pensez, mais... Ah ah, allez, viens. Voilà. Oh, je sais pas, il a peut-être marché, Gunther, ce Sonic, j'en sais rien du tout. Oi, 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 et voilà, en plus j'ai pas beaucoup d'anneaux, hein. Quand j'ai plus d'anneaux, c'est la mort. Je me fais toucher. Là, laissez-moi-en un peu quand même, oui, le gars il te vise et tout là. Le point rouge c'est sur toi en fait, c'est pas sur lui. Hein. j'ai plus d'anneaux je crois, voilà, super. Fait plaisir. Je sais pas ce que c'est une métanoïa, et tout le monde parle de métanoïa à chaque fois, mais ok, je te crois en tout cas parce que je t'apprécie. Bon, même si tu fais un peu trop de Mario Wonder sur ta chaîne, hein. Je trouve que tu représentes pas trop tu représentes pas trop le Sega Forever, mais bon. On est tolérant. Oh, y en a qui l'ont fini en une journée. Apparemment, c'était un jeu facile, hein, contrairement à celui-là. Un petit rallye. Hop là. Ah! Non! Ah, ça va, je vais pas passer cette vague, j'ai l'impression. Il m'a mis un coup de pique là tout à l'heure. Voilà, au moins pour sauver l'honneur, je le touche une fois. Et là, j'ai plus d'anneaux, alors je sais pas trop comment je fais. Est-ce que je peux en gagner sur le chemin? Pas l'impression. Adieu! Adieu, voilà. Je suis pas mort, regarde. Là, cette insulte là, Gunther. Quand même, depuis le temps qu'on se connaît. Est-ce que je t'ai dit que tu ressemblais à Zlatan ou une connerie comme ça une fois dans ta vie déjà? Ça me fait un peu le même effet, quoi. Alors que t'es un Marseillais pure souche. Ah! Voilà. À la dure, hein. C'est à la dure les jeux Sega. Ça que j'aime. D'ailleurs, Sonic, ça commence par un S comme Soul. Pas pour rien. Ah, il nous reste 9 minutes ensemble. Ouais, on va le bomber, on va descendre à Marseille, là, on va faire une Rix à l'ancienne. On va mettre nos bombers, ce qu'on a acheté à Bombay. Et bing, il va sortir de chez lui, il va rien comprendre le gars. Marseille qui habite à Aix. Mais oui, c'est les bourgeois ça. Aix, c'est le quartier bourge de Marseille, tu savais pas? Allez, tire-le ton pic là, ton harpon. Hop là! Ah oui, putain, si je fais ça au tableau d'après, je me mange les piquants sur le sol. On va pas répondre là? C'est cru chez lui, Gunther, il balance ses points d'exclamation. Il nous fait un RP Louis. Allez, direction les cure-dents. Et là, ça va être chiant parce qu'il va faire les mêmes bouboules. Voilà, super, ça fait plaisir. Allez, tire-le ton pic là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il m'a fait une petite danse. Ah ouais, il est comme ça lui. Putain, j'ai loupé l'occasion de lui sauter sur la tête. J'espère que c'était pas la seule occasion qui a pas nous refaire un truc à la con. Oh.
Ah, c'est pas évident aussi de jouer avec une manette Switch Pro. Hein. J'ai pas encore pu acheter les manettes Mega Drive pour la Switch. Pourtant, c'est la max. Hein. 6 boutons, tout ça. Aligné, pas en triangle, en losange là. Les vraies lettres abaissées. Voilà pour votre plus grand plaisir, le premier niveau du jeu. On n'avait pas pu finir l'autre fois parce que la métanoïa dont vous m'avez parlé était un peu courte. J'espère que le son du jeu est assez fort d'ailleurs. Ça a l'air. Une folie t'inquiète, une folle t'inquiète, je m'inquiète pas du coup. Chameau en plus, énorme, merci pour le follow. J'espère que tu vas apparaître sur le sur l'overlay quand même. Ah, il a eu son emploi à 8h34, adieu Kiniku. Ah non, il reçoit son emploi à 8h34. Ah, les voisins, ils vont aussi savoir que t'as un ampli ou comment ça se passe? Hey! Merci pour le follow. J'espère que tu es fan de Sega. Tu n'es pas là par hasard. Aïe 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 aïe, j'ai merdé. Pensez à autre chose là. Dromadaire. Ouais, ok, Augustin. Ça, c'est l'humour qu'on aime ici. Ah, j'ai raté nos cases là. Ah l'enfoiré. Je respire la bonne humeur aujourd'hui. Ah, mais t'es bien tombé là. Alors je stream rarement. Hein, là, j'ai reçu une métanoïa de la part de Gunther. De ce qu'on m'a dit. Hein. Et me voilà. J'ai popé. Fan de Sega. Hé hey, hé, la petite astuce là de sauter sur l'ennemi. Tu joues à quoi d'habitude, Chameau? Est-ce qu'on t'appelle Chameau? Est-ce qu'on t'appelle une folle? Comment on fait? Ah, il fallait que je fasse un truc. Ah oui, c'était le coup des... Putain, mais je me rappelle plus. Moi, j'avais fait ça il y a trop longtemps. Voilà. Et alors? Bon, c'est pas grave, on le refera. La folle ou la conne? Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Bon, tu joues à quoi, la folle? C'est quoi ton kiff? Est-ce que tu joues déjà? Ici, on est poli ici, désolé. Oui, on choisit la folle, du coup. Je sais pas si c'est très poli. Possible. La chance. Te découvrir sous ce visage. Ah oui. C'est pas tous les jours, effectivement, la folle qu'on est sur du Sonic. Donc t'es bien tombé. T'aimes ça. Je joue rien, je suis à l'hôpital. Ah oui, d'accord, ok. Ok, t'es en mode... Ah ouais, c'est le gros RP, là. Du coup, hôpital psychiatrique, j'imagine. Tu joues peut-être avec le personnel? Je l'ai fait tourner en bourrique, je sais pas. Est-ce qu'il te donne à boire? Parce que en tant que chameau, c'est important. Ah, c'est dinguerie les plateformes. On n'est pas sur du Mario là, je vous le dis. Hein. Là, ça rigole pas. Hein. T'as du skill ou t'en as pas, hein. Non, je suis en HP. Excellent. Non, je suis pas RP, je suis HP. Magnifique, j'adore. Oui, donc c'est ça, c'est en psychiatrique, c'est ce que je disais. Ah non, t'es pas en HP, pardon, excuse-moi. Honte à moi, j'ai mal lu. Oh, le laser dans la gueule. Ça, c'est à cause de la folle. J'avais m'a déconcentré. Hop là, on a choisi le... du milieu.
Le tuyau, c'était une vanne hein, pour Nintendo. Évidemment. Et voilà le laser. Ah, on va être bien sur la vidéo YouTube avec ça, Gunther. Hein. Ça va être énorme. Là, je lui ai fait croire qu'il allait me toucher, tu vois, avec son... avec sa moto désert. Et là, il m'a vraiment touché. Et là, il va me buter. Bon, donnez-moi des anneaux, là. Aïe, 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 aïe. Ah voilà, au moins un, quoi, que je survive. Merci. Non, il s'auto-flagelle sur les cure-dents. Du coup, tu as eu une karma pour avoir mal lu. Merci, merci Rayli. Hop là! La boule de flipper. Non, donnez-moi des anneaux là. J'ai retenu la leçon. En HP, on n'a pas le droit à son tel. Ah ouais, tu fais comment pour te connecter? T'es dans le bureau du directeur. Ah oui, non, tu n'es pas en HP, donc c'est pour ça que t'as ton tel. Ok. Désolé, c'est le matin, j'ai du mal à suivre. Oui, 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 c'est bon. Ça va rentrer, t'inquiète pas. Ça, c'est bien parce que l'ennemi, par contre, quand je le croise, il me fait pas mal. Il m'envoie des missiles et tout, des lasers, ça, ça fait mal, mais lui, non. Il n'y a aucune hitbox sur cet ennemi. Non plus. Hop. Sachez-le, hein, je vous le dis si vous jouez. Hop, les cure-dents. Tac, la télé à l'ancienne. Ah, ce level design. Incroyable. Inspiré des meilleurs flippers de bar PMU. Aïe. Oh, c'est l'hécatombe, on se croirait dans Sonic Force. Là, j'ai atteint un pic de vitesse. Une question, est-ce que ce jeu peut affecter les épileptiques? Je sais pas s'il y a eu un message au début. Une bonne question, ça. Bah, dès qu'il y a des flashs, etc., ça peut affecter l'épileptique, mais uniquement ceux qui sont photosensibles. Ne l'oubliez jamais. Ah ben voilà, 8h32. On va se laisser sur cette magnifique victoire. Quel régal. Merci Gunther pour tes points de chaîne. Ça fait plaisir. Force à vous tous pour cette matinée. Je vous envoie le syndrome Kabuki. Ça tombe bien, une folle. Peut-être que le syndrome va apaiser tes mots et ton cœur. Nous verrons. En tout cas, je te le souhaite. N'hésite pas à revenir. Dis-toi bien que tu ne reverras pas du Sega sur cette chaîne avant très longtemps, malheureusement. Mais c'est comme ça. Hein. Faut pas tout faire dans la life. Je vous fais des bisous, des checks. On ne raid pas chez Data, apparemment. Il ne faut pas raid chez Data. J'ai reçu plusieurs messages ce matin. Donc, bah, on va raid. On va voir qui est-ce qui stream. On se retrouve à midi et demi. Midi et demi pour du Mario versus Donkey. Je sais. Je sais pas quoi dire, quoi. Je sais pas quoi dire. Bref, en tout cas, je vous envoie le syndrome Kabuki et on se retrouve à midi et demi, pétante, pour un stream post-déj. Et je suis rendu au niveau 7 sur 8 à Mario versus Donkey. Donc, bah, on va découvrir la suite ensemble parce que je me suis arrêté samedi soir. Ou vendredi soir, je sais plus.
sur ce tableau, donc je dois en être à peu près au début du monde 7. Le follow, ce n'est pas une actu, le Kabuki. Ah. Ah, ne sais pas que tu vois, ouais, mais c'est normal, on est sur la métanoïa, je m'inquiète pas. Ouah, Data Reaper, le meilleur d'entre nous, le fan de Sega, il fallait que tu viennes quand même. Voilà. On était sur Geometry Survivor ce matin, paraît-il, et puis on m'a invoqué, grand fan de Sega, par une métanoïa, et du coup on s'est fait une petite demi-heure sur Sonic, et en plus j'ai fini le deux niveaux. Tu serais fier de moi, Data. Des bisous, des checks, j'ai pas le temps de traîner, faut que j'aille bosser. Je vous prépare le syndrome Kabuki avec le planning. Et puis n'oubliez pas l'anniversaire, le double anniversaire, 3 ans versus 13 ans de stream avec notre cher Data Reaper. Allez, c'est parti. Le syndrome. Bye bye. Je cherche un raid en attendant. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noruo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme ? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Le fameux Kabuki. Avant de vous l'expliquer, quel âge donneriez-vous à ce jeune homme ? Le fameux Kabuki. C'est le nombre de symptômes que comporte le trouble qui est impressionnant. Impressionnant. Étrange en soi. En effet, les personnes atteintes du syndrome de Kabuki ont... Quand on commence à perdre, le niveau de vie il commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie. Il y a toujours ce même truc qui se répète, parce que quand on arrive à un point de vie, on va essayer, on va mourir, et il faut continuer, il faut aller plus vite, il faut aller... Impressionnant. C'est assez angoissant, oui. Angoissant. C'est assez angoissant, oui. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. C'est assez angoissant, oui. Au Japon. Le fameux Kabuki. Impressionnant. Il aime beaucoup jouer ces jeux vidéo, et je le dis avec modération. Comme tout, parce que sinon ça prend des proportions après